Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Shadow of War, l'ombre de la guerre. Après un sauvetage et une trahison par la même personne que je venais de recruter, qui me parle pas de sa famille et du coup je bute son frère sans le savoir, je suis dans un caca monstrueux. Faut dire ce qui est. Donc on va essayer d'aller raffronter notre meurtrier. C'est pas que c'est juste que voilà, en termes de respect, je trouve ça un peu plus honnête. Mais bon, ce jeu est pas exempt de bugs, malheureusement. Qu'est-ce que c'est acceptable ? Ah là ! Ça fait mal, n'est-ce pas ? Tiens, viens de mon côté. Hop là. Non, non, c'est pas ce que je fais. Comment je pourrais appuyer sur deux boutons? Aïe, faut vraiment que t'arrêtes de faire ça. Ah, alors là tu le sens mal, hein. Là tu le sens mal, hein. Vous, c'est mal parti pour toi là. Ah. Enragé par le poison? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi l'avoir tenté de l'empoisonner? Oula, pardon. Je sens que ça va mal finir. Hop là. Ok. Ok, ce gaspille. Je me suis pris la bifle quand même. Ah, c'est merde encore. Tu ne gagneras pas cette guerre. Un bon conseil. Renonce. Tu réagis que maintenant? Hop là, ça fait mal? Ouais, hein. Prudence. Prudence. Hop là, raté. Raté, t'es trop mauvais. Ah ah! Là, je t'ai eu, mon ami. Hop là. Hop là, raté. Et tu es à moi. Bon, je vais pas te mentir, la dernière fois, tu m'as fait un coup de pute. Entre tes embuscades, tes machins, mais bon, je te garde. T'es loin d'être mauvais, selon moi. Donc va espionner le chef de guerre, s'il te plaît. Merci, voilà. Ma petite vengeance est accomplie. C'est cool. Maintenant, on va aller ici. Et pour aller ici, on va se téléporter là. Hop. On va aller affronter les événements de cette région. Et le Balrog. Le renvoyer dans les profondeurs. Rien que la phrase, elle est. Elle est. Salut les filles. Hop là. Ça va, tranquille? Alors j'ai bien compris qu'il y avait apparemment quelqu'un de l'autre côté. Oh, même pas juste de l'autre côté. Nazu. Juste là. Eh ben écoute, il est Nazu. Nazu, il m'a pas trahi justement? Non, ça doit pas être lui. Allez, on y va. On y va, on va tenter un assassinat, on va pas s'emmerder. Hein. Brutalisation! Je vais te tuer. Hop les, deuxième! Bah alors, t'as un problème mon pote? Voilà! Tu es à moi! Vous avez pas voulu que je sois un grand guerrier, alors je vais être un grand ninja, c'est pas grave. Nazu, longue portée. Ok, va espionner chef de guerre. Merki. Allez, on progresse. Je me disais aussi que ça faisait profond. Je pensais pas pouvoir descendre ici en fait. That was unexpected. Ok, est-ce qu'on peut remonter? Oui, on peut remonter, cool. Je m'entendais pas à descendre aussi bas. Sachant qu'on va chasser le Balrog, je pense pas que ce soit une très très bonne idée, vous savez, de descendre aussi bas dans la lave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si le Balrog c'était l'ombre et la flamme, quoi, en règle générale. C'est cette saleté de... Hop là. Oh! T'as du bol! En fait, non. T'as eu un décès assez violent, je dois bien l'admettre. Hop là, on y va.
Buongiorno, signor. Hop là, voulez-vous un cachet? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Du coup... T'es en train de me dire qu'il y a un... Bon, on va aller voir. Saute pas dans la lave, merci. Ouh. What? Ok, ça en fait du monde. On esquive. Enfin, j'ai dit on esquive, je suis sûr que vous avez pas remarqué. Voilà, il y a un truc qui me suit. Hop là, bonjour. Et voilà, il y a sa nourriture qui est arrivée, tant mieux. Hop là. Oui, je veux commencer le fléau de Karn. Karnan, pardon. Canaan. Ouais, non, ça c'est un peu trop biblique. Targoros cherche à s'extraire des entrailles de Gorgoros. Il ne faut surtout pas qu'il atteigne la surface. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui jeter des flèches? Je suis pas sûr que ça marche. Ah oui, puis il est invité cordialement au dîner, quoi. Oh, tu as du style, toi. Tu es... Gorgoroth. Nous t'appelons dans les bas-fonds. Prenez et partage notre gloire. Il a même une ceinture en forme de... Ouah. Viens à nous. Oula. C'est la mort qu'ils invoquent. Une mort qui viendra tous nous frapper. Ok. Alors je dois faire une petite pause malheureusement parce que j'ai entendu mon chien hurler un petit peu bizarrement. Je vais aller voir par principe. Alors pause et je reviens tout de suite. Re, chers amis, du coup on est bon. Hop. C'est parti. Crac. Boum. Hu. Triompher des 10 acolytes. Ce son, par contre. C'est pas bon signe du tout. On va commencer par les snipers. Hop là. Et de 2. Et de 3. Ça, c'est bon. Ok. Et j'ai des flèches. Génial. Ça par contre c'est vraiment, vraiment pas bon signe. Hop là. Désolé, je me suis planté de cible. Excuse-moi, hop là, voilà. Faut que j'en finisse avec tes potes d'abord, ne m'en veux pas. Voilà. Si ça ne te dérange pas, il m'en reste... Quel honneur de rencontrer le mort le plus célèbre du mort. Tu as vraiment fait des vagues avec ton anneau forgé en douce. T'as vu ça? Après ça, il suffisait d'amadouer un peu d'Argoroth. Maintenant, il remonte à la surface et il vient te chercher. Qu'est-ce qu'il a à rapport? Quel rapport il a avec moi? What? Il m'a fait quoi là? Il m'a maudit? Mais comment il a fait ça? Surtout, qui est-ce qui me manque? Merde, il m'en manque un qui est là-haut. Il m'en manque un. Ha ha! Hop là! Et ton pote m'a perdu de vue normalement. Oh, t'enfuis pas. Oh, ne t'enfuis pas. Oh, tu ne t'enfuiras pas, mon ami. Zog. Zog, Zog, Zog. Où es-tu? Des flèches? Pardon. Excusez-moi. Hop, et ça, tu l'aimes? Vache, des PV. What? Il est anti-saut, génial. Essaye encore. Oh, ça va être casse-couille. Et en plus, tu fais ça? Viens voir, papa. Ah,
Ça fait mal. Regardez une flèche. Hop là, raté. Tu viens pas? Tu me saoules à faire ça. Oh, tu dois être à portée maintenant. Voilà. Ok, cool. Bah alors, on est hébété, on aime pas les flammes. Pourtant, moi, je suis sûr qu'elle aime bien les flammes. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, depuis le premier jeu? Est-ce que ça en fait beaucoup? Par contre, t'as toujours un problème. Je suis à fond au niveau du son. Désolé. Comment ça sauter dans la fosse? Taïo! Oh, pardon. Excuse-moi, j'ai un saut à la corde à faire, mais sans la corde! Voilà. Oh. Trop le style. Tu veux mon anneau? Celui-là, il a l'air bien. Ce que j'aime pas, c'est la lueur verte. L'ombre et la flamme. Ouh là là. La punition. Voilà. Cet ennemi est trop fort, Celebrimbor. Sauf si nous avons l'esprit de Carnan à nos côtés. Ah bon? Éveillé par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé. C'est logique, toi tu mets un arbre face à... Vous l'avez éveillé. C'est logique, tu mets un arbre face à un être de flammes, c'est l'arbre qui peut gagner apparemment. C'est ce que vient de dire Celebrimbor, hein, mais... Ça me semble un peu gros. Il est en train de me dire qu'on va monter la bestiole. Waouh, puis en plus c'est un Balrog Ninja. Merde. Si j'avais... Oh, il me semblait, hein, ça allait. Il allait être rapide. Oh, oh, je vois une longue déchirure dans ton dos. Hop là, voilà. Oh, oh, j'en ai vu une aussi, droit au niveau. Ah, évitez de nous faire toucher par les débris. Dommage, oui, j'ai pas eu le temps de lire en fait que j'ai déjà touché. Ah, voilà. Par contre, si tu me montres pas son dos, bout du gland, on aura du mal à se mettre d'accord. Oh, couché. Eh, c'est moi qui te fais ça. Peut-être que tu vas me prendre au sérieux à un moment ou à un autre. Ah. Ah. Mon dieu et moi. Mon dieu, c'est moi. Ok, allez, vas-y. Ah! Son dos est exposé! Ah merde! Ah. Voilà! Alors! Mais arrête de râler! Ah! 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 Ah. Non! Non! Voilà! Ah! Oh! Ah, il a encore changé de sens! Allez, vas-y, fais péter! Montre-nous ton superbe dos! Du musclé! Voilà! Oui, mais arrête de gueuler. Faudrait que j'arrive à t'en coller une deuxième quand tu fais... Ah, 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 tu me prends au sérieux, ça y est? Ah non. Ok, vas-y. Ah oui, c'est clair que c'est rapide comme bestiole. Nom de Dieu. Hein? J'ai pas pu... Si, si, c'est bon, je suis full flèche. Allez, mais grimpe plus vite! Mais allez! Oh putain! Oh! Titan! Ouais! Boum! Boum! Bouf! Bouf! Ah, d'accord, je suis en full, en mode combat, mais de titan. Ok, si tu veux.
Hop, raté. Hop, les... tiens, la box. Tu l'as aimé, mon uppercut? On m'appelle Rocky Balboa dans le métier. Je suis le... aïe, le challenger que tout le monde croit qu'il va perdre. Oh, on enchaîne un peu plus. Oh, bouffe. Bouffe. Vas-y, vas-y, refais un truc, là. Hop, raté. Boum. Tiens, regarde. Droit dans la colonne. Ça, si c'est pas un coup bas. Et bouffe. Et mange. Et ingurgite. Et régurgite maintenant. Allez, ça y est, régurgite. Vomi. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, bah, oh, j'aurais pu le geler. Là, autre chose. Ah bah. Ok. Ça fait la même action. Pourquoi pas. Aïe. Oh, et, la, et ta bifle, tu sais que tu peux te la mettre. What? Où suis-je? Qui suis-je? Dans quel état? Ouais, ça c'est un peu... raté! Bouffe! Oh, je t'ai arraché le cœur. En tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé. Voilà. Hop les... bouffe! Allez! Bouffe! Mon uppercut! Bouffe! Allez! Raté! Encore! Tiens, dans le pied. Allez! Reste couché, bon Dieu! Ça a fait un B tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il refasse un B. Raté! Boum! Aïe! Allez, je voudrais refaire un B s'il te plaît. Oh bah non, ça c'est un A. Hop, voilà. Oh! Oh, droit dans le foie! Allez, vas-y, bouffe! L'uppercut! Ouf! Raté encore! Mais t'es trop mauvais, cherche pas! Reste au sol, mon Dieu! Allez! Allez! Raté encore, à chaque fois tu te loupes, hein, mon pauvre. Hop, raté. Bon, bah, j'aurais pas l'occasion de refaire un petit B. Hein. Je crois que là, malheureusement, il refuse. Oula. Oui, bonjour. Oui, tu vas encore t'enfuir? Non, pas cette fois. Désolé. Oh, oh, je veux avoir. Non, je voulais avoir un Balrog de mon côté. Allez, c'est le moment! Mais non! Quand son torse est exposé! Voilà! Ça fait mal ça, non? Ah, c'était pas. C'était pas le moment. Ah! Il lui met tellement cher! Date archer! Ah! Attends, j'arrive. Voilà, je fais le plein, merci. Voilà, attends 2 secondes. Faut enchaîner en plus. Voilà. On m'appelle Cupidon dans le métier. Vas-y, viens t'a mettre. Viens t'a mettre, chaton. Viens t'a mettre. Non. Oh putain. Ah, il est courageux. Hein. À jeu. Ah, oh, ça va être tellement être chiant. Allez, saute. Saute. Non, il veut pas. Oh là 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 là. La vitesse. Oula. Ouais, t'étais gros comme un. Qu'est-ce que tu fais? Tu pues de la gueule. Oh, dis donc. Oh, ça doit faire mal. Mais fais quelque chose. Oh. 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 Il lui a quand même pas enlevé la tête. C'est pas la forme, hein. Tu viens de tuer un esprit séculaire, mais c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, l'autre il s'enfuit en courant. Oh, je vois, c'est. Pas de repos pour toi, pas de repos pour moi, immortel. Ah, c'est sympa aussi comme moyen de transport. Elle montre une puissance réellement extraordinaire. L'esprit de Karnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois. D'accord, je vois. Elle était là avant notre existence, et elle sera là bien après notre trépas. Bah écoute, c'est bien, tant mieux. Le problème de ces entités-là, moi, c'est que selon moi, une entité aussi vieille a la capacité de la tuer normalement, mais bon, ce n'est pas grave. J'accepte le défi. Point d'aptitude obtenu, génial! C'est pas du tout, on va le mettre. Aptitude. Du coup, là, on avait quoi? Coup critique.
Arrête, son jeu de critique augmente au fur et à mesure que votre vie de santé diminue. C'est intéressant. Mon jeu de critique augmente. D'accord. Ouais. Bon. Représailles. Vous tenez une chance de. Ouais, ça pourrait être pratique, hein. On est pas très bon. Hein. On doit... Spectre mortel. Oui, je voyais pas l'intérêt d'avoir ça. Votre spectre brutalisera sa cible. Ouais, ok. Drainera la cible. Ok. Oui, mais je voyais pas l'intérêt d'avoir ce truc-là. Chaîne spectrale. Ça, par contre. Non, pas contre les bêtes, c'est celle-là que je veux, moi. Celle, la première ne consomme rien. Ça, c'est cool. La première qui consomme pas de... d'énergie, c'est très très cool. Ok. Bah du coup, les amis, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a d'autre à faire, mais j'imagine qu'on n'a pas fini la quéquette. Voilà. Zog. Nécromancien ambitieux. Il faut l'en empêcher. Oui, t'inquiète. C'est prévu. C'est bon, t'es tranquille ? Alors du coup... Où est ce fameux ennemi qui est censé nous attendre, qui est le Balrog? Aucune idée. Très bien, je m'attendais un peu mieux. Je suis là, on va aller se faire le traître. Celui qui nous a trahi, celui qui a osé nous trahir. Ça me semble excessivement important de nous occuper de cette entité. Le voilà. Qu'est-ce que t'aimes pas? Terreur des malédictions. Ah, ce qui me fait penser que j'ai chopé une nouvelle arme de Seth un peu plus tôt. Si je me trompe pas, une dague. Voilà. Dague de pillard. Les ennemis tués par des attaques furtives ont 29% de supplémentaire de laisser de l'argent. D'accord, lancer rapide gel la cible toutes les 34 secondes. C'est pas très... Mais bon, elle fait tellement plus de dégâts que je suis obligé de la prendre. Ok. Bon, on se renseignera à nouveau là-dessus une autre fois, peut-être entre deux épisodes, je le ferai. Ok. D'accord. C'est l'heure de la cuisson, j'imagine. Hop, les deux flèches. Et ça lui a fait si peu de dégâts. Oui, j'ai bien compris que t'allais pas vouloir. Hop, les bouffe. Ne m'a apporté que honte et dégoût. Seule ta mort pourra me racheter aux yeux du Seigneur des Ténèbres. C'est que le pire, c'est que je t'ai apprécié l'espace d'un instant. Tu m'as sauvé la vie. T'as fait des choses pour moi. J'ai apprécié ton sauvetage. J'ai apprécié la mission que tu m'as permis de t'avoir parce que tu venais d'un. Tu venais d'un. Comment que ça s'appelle d'un, d'une embuscade en plus. Raté, t'es trop mauvais. Il veut pas attaquer l'autre. Vous avez vu? Il veut surtout pas attaquer le mec que je l'ai. Raté. Non, non, cette fois je ne te. Tu fais quoi? Aïe! Et le respect dans tout ça. Et bouffe! Et c'est fini pour toi! Désolé. Je t'avais prévenu. J'ai pu voir la vérité. Je meurs en sachant que j'ai fait le bon choix en te trahissant et en retournant au service du grand Sauron. Si tu savais à quel point tu as tort. Hop les. Hop les. Ouh. 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 Bah j'ai réussi à la couper celle-là. Décapité, tu reviendras pas toi mon pauvre. Voilà. Voilà ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Épée de Rovagnon. Épée de quoi? Rovagnon, Rovagnon, c'est sympa le nom. Ténèbres absolues. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai rien en rapport avec les ténèbres absolues, donc pour l'instant je n'ai pas l'intérêt à porter ça. Faudrait une épée au-dessus du niveau 20. Mais avoir ça quelque part. Pégondorienne, mais apparemment non. Alors, c'était une dague?
Ah non. What? On est d'accord, je l'ai obtenu l'épée. Bon, non. Ah si, c'était celle-là. Ok, j'avais pas vu. On dirait une épée de Skyrim un petit peu. Bah je vais la prendre, je vais l'équiper vu qu'elle fait tellement plus de dégâts que la mienne. Tu es un capitaine hébété, puissant chargeur de 8 en frappant un capitaine hébété. D'accord, ok, cool. Si tu veux. Ok, bon bah ça c'est fait. Du coup. On en a combien de temps? 18 minutes, ce qui fait plus 7, 25. Ah bah écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Puis moi je vous retrouve dans la prochaine pour la suite de l'aventure, tout simplement. Même si je suis étonné de ne pas voir plus de... Oui, il m'a dit que mission disponible dans Gorgoth. Et je pense qu'il va falloir que j'avance dans le temps. Donc voilà, je vous laisse pour ça chers amis et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens, et yop!